Et bonjour à tous, donc nous voilà de retour sur 36 soirs de 3 et donc on va revenir sur une petite introduction, scénario, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que j'ai pris le DLC de 36 soirs 3, le tout premier DLC qu'ils ont sorti, le 17-11-2022 bien sûr. Donc on va se faire ça, c'est Birmingham Cross City, enfin bref, peu importe comment ça se prononce. On va faire le module d'entraînement, et du module d'entraînement, on ira se faire un petit scénario par là. Je sais pas, vous voyez, il y en a que 4, mais après, on a pas mal d'horaires si on veut. Après, et voyez, avec tous les autres DLC, j'ai des locomotives qui sont venues se greffer dessus. Donc la 323 c'est celle de ce fameux DLC, et les autres ben, c'est dans les DLC que j'ai un peu plus loin, ainsi de suite. Donc au niveau des horaires, si vous regardez, mince, alors horaire, ouais, bon après si je choisis une locomotive, voilà, choisis personnalisé, personnel, voilà, faudra que j'aille faire un petit tour dans le club plus tard. Voir s'il y en a déjà qui ont mis des choses dedans, mais pour l'instant, j'ai pas été voir. Je veux dire, franchement, j'y ai pas été. Donc voilà, alors, on va lancer ça. Et vous voyez, il y a quand même pas mal d'horaires qu'on peut faire. Regardez. Donc voilà, je peux vous dire, bon, ça en fait un paquet. Et donc après, le truc c'est qu'en itinéraire, en scénario, ouais, on n'a pas beaucoup. Mais bon, après, voilà, ça. Avec l'éditeur, on en trouvera toujours d'autres à faire, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'intro. Et de l'intro en scénario, on ira faire un petit qui ne dure pas trop longtemps, un de 50 minutes. Peut-être pas, ou 25 minutes, affichage aberrant. Et on ira faire celui-là. Comme ça fera les 5 et 10. Et voilà, ça sera pas mal. Donc allez, on en part parce qu'on en discute, on discute. Et le chrono tourne, et voilà. Donc, on va partir pour ça. 5 minutes. C'est parti. Bienvenue à Bromsgrove, situé à Worcestershire, dans le West Midlands de l'Angleterre. La gare a été ouverte en 1840, faisant partie du Birmingham and Gloucester Railway, mais elle a été reconstruite en 1969, puis de nouveau en 2016. Peu après, en 2018, les travaux d'électrification ont été terminés et cette gare est devenue un terminus sud pour la Cross City Line de Birmingham. Il manque une carte de l'itinéraire par ici. Réglons ça tant que vous y êtes. Oh, je regarde un petit peu. Bon, il a l'air assez propre comme petit DLC quand même. Dans l'ensemble, c'est pas. Il y a d'autres tâches à découvrir. Veiller à Mais non, les respecter cartes les sont pas grandes, hein. itinéraires, remplir les pots, prélever le chocolat et préparer les rails. Attendez sur le quai. Le train va bientôt arriver. Elle est jolie la rame, hein. C'est pas vilain comme rame. C'est normal qu'ils ont tous des casquettes pratiquement. Bon, enfin bref. Alors, moi je vais m'asseoir. Ah, mais attends, il y a quelqu'un là. On va s'asseoir ici. Voilà, comme ça on peut regarder par la fenêtre. On peut... Je vais m'asseoir plutôt là.
Voilà, ici. J'ai trouvé ma place. Oui, c'est. Ah ouais, d'accord, c'est là, il met la gare. La station ici. Nexo, la station ici. Ouais, monter à bord du train. Mais d'après toi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas monté à bord du train? Ah non? D'accord, ok. Monsieur, vous voulez que je monte là-bas? D'accord, ok, ouais, mais n'importe quoi. C'est. Ouais, c'est ça. C'est un peu n'importe quoi, ça arrive de monter à bord du train. J'étais déjà à bord du train, mais bon, c'est pas grave. Il a l'air vachement. Les textures ont l'air bien faites quand même, hein. Ouais, ça a l'air vachement propre. Bon. La Cross City Line est une consolidation de différentes lignes construites entre Ah ben 1837 d'accord. et 1885. La section la plus ancienne de cette ligne est Duddeston Aston, à l'origine Vauxhall Aston, à l'époque où elle faisait partie de la Grand Junction Railway. Et ça, ils n'ont pas encore réglé le problème. D'accord, Dans ok. les années 1970, des travaux ont commencé pour joindre les services du nord et du sud de Birmingham en une seule ligne afin de mieux desservir la ville. Ainsi, une nouvelle gare a été construite à l'université de Birmingham et la gare de Five Ways a été réouverte après avoir fermé en 1944. Les travaux se sont terminés en 1978 et ont coûté 7,4 millions de livres. C'est ainsi qu'est née la Cross City Line. Belle Cette histoire section, sur. appelée Leaky Incline, est la ligne ferroviaire principale avec la pente la plus abrupte du Royaume-Uni. Elle s'étend sur 2 miles. 3 km avec une inclinaison moyenne de 2,65%. Lors de son ouverture, des locomotives d'assistance supplémentaires étaient nécessaires pour l'ascension. Aujourd'hui, tous les trains, à l'exception des trains de fret les plus lourds, peuvent effectuer l'ascension sans aide. À Birmingham Cross City, vous pouvez monter dans un train moderne unique en Grande-Bretagne, découvrir les opérations de banlieue au trafic élevé, et explorer le West Midlands ainsi que le célèbre Leaky Incline. Voici Transim World, Birmingham Cross City. Il y a une belle histoire quand même, hein? Bon, bah écoutez, on vient de faire ça. Module d'entraînement, bah, il faut quand même que je m'entraîne un petit peu à savoir comment on la démarre, comment on l'arrête, comment on la freine et tout ça. On va faire un petit peu tout, un peu de ça. Je comprends pas que dans le module d'entraînement on l'a pas fait. Et puis j'en ai vu qu'il y avait un truc qu'on pouvait choisir, donc je sais pas trop. Bon, enfin bref. Bienvenue à l'entraînement Ouais, il y a des attendu du meubles. centre d'entraînement. Vous pourrez passer en revue la façon d'opérer une EAE classe 3-2-3. Nous allons brièvement. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps. Parce que faut que je m'assoie dans le train pour conduire. Ah, je savais pas. Moi, je croyais que je pouvais le conduire de l'extérieur, hein, comme ma voiture. Moi, je suis à côté de ma voiture, je la conduis à côté de ma voiture. Non, mais bon. Comme toujours, il nous raconte des conneries plus grosses que. Comme s'il fallait pas s'asseoir dans un véhicule pour le conduire. Non, mais. C'est n'importe quoi. Ah, oui, d'accord, ok, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Déverrouillez le tableau de bord, insérez la clé principale et positionnez-la sur On. Mettons-nous en route. Positionnez l'inverseur sur Marche avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce train possède un manipulateur de traction-freinage. Tirez-le vers vous pour desserrer les freins et commencez à vous déplacer.
parcourez l'itinéraire et rendez-vous au prochain arrêt pour vous entraîner au transport de passagers. Et 31 miles. Ce train de passagers British Rail Class 323 est un élément automoteur électrique conçu par Unslet TPL. 43 rames ont été construites entre 1992 et 1995. Parmi elles, 26 ont été mises en service sur la ligne Birmingham Cross City. Ces unités sont connues pour leur vrombissement particulier lors des changements de vitesse, accélération et freinage. Ils sont dus à un onduleur à base de thyristor d'arrêt des portes. Nous approchons maintenant du quai. Appliquez une légère force de freinage pour vous arrêter en douceur. Donc là, on va faire ça tranquillou, hein, on va s'arrêter tranquillou. Ah bah alors. Durant une opération normale, les portes des voyageurs sont contrôlées par le chef de train. Dans ce module d'entraînement, vous allez apprendre à contrôler les portes. Maintenant, ouvrez les portes des voyageurs. Maintenant, fermez les portes. Rendez-vous au prochain quai de l'itinéraire sans aucune aide. Alors, par contre, j'ai pas d'index pour me dire où c'est que je m'arrête, ça c'est un peu embêtant. Thank you.
Bon travail. Nous avons abordé toutes les bases de la conduite de ce train. Bon, ben voilà. Donc, on a fait une partie de... Donc, on a fait l'intro, hein, donc tranquillou, hein. Alors, continuer, hein. Scénario suivant. Alors, attendez, parce que là, s'ils me disent qu'on va dans les scénarios, faut que j'aille choisir celui que je veux, parce qu'on va pas faire un scénario, vu qu'on est déjà, on a commencé, pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc, on va se faire un petit scénario. Et le scénario, c'est celui-là. Ah. Alors par contre, il y a un truc que je comprends pas trop. Alors, attendez, excusez-moi. Arcelette, centre d'entraînement. Entraînement. Ah, d'accord, ok. Par contre, je l'ai pas en or, je l'ai qu'en argent, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme on a dit, on se basait que sur l'argent, donc c'est bon. Donc l'entraînement, d'accord, ok. Alors, on va faire le scénario. Celui-là. Allez, c'est parti. Là, j'en ai profité de le prendre ce DLC parce qu'il était en promo. Tant qu'il est. Parce que bon, voilà, après il risque de pas rester longtemps en promo celui-là, je pense pas. Déjà, est-ce qu'il y a. Un petit matou. Je crois qu'elles sont jolies quand même, ces petites rames, hein, quand même. J'espère qu'il y en a un qui. Parce que moi je sais pas les faire, les livrer. Hein. Mais ça serait bien qu'on ait un gars qui nous fasse délivrer avec des graffitis là sur les côtés. Je pense que ça pourrait être sympa.
Oh, qu'est-ce que tu me fais là, toi? Là, ça descendait assez rapidement là. Là, il est parti vite en vitesse négative, hein. Enfin, en excès de vitesse, du moins. La vache! J'ai pas fait gaffe, mais il a l'air de rouler, ce machin. Ah, je me suis fait avoir, je voulais regarder un peu la rame, comment elle était foutue, et puis. D'accord, le bouton il est là, d'accord, ok. Et l'éclairage de la cabine, il est là. Ok. Bon, bah là, j'ai des boutons que je cherche souvent. Je les ai trouvés. Et la sableuse, la sablière, elle est là. La fermeture des portes, je peux la voir là aussi. La sablière, elle est là. Ça a l'air de saccader un petit peu les poteaux, hein, quand on avance. Rouler à 90 km/h, donc en mile ça fait à peu près 140, 150 même, non 140, 140 ou 150, 150 je crois c'est 100, ah je regarderai pour la prochaine fois qu'on fera une vidéo dessus, je vous le dirai.
J'étudierai le truc. Je crois que c'est aux alentours des 150. Allez, on est reparti. Allez, on repart. Ah, il y a un passager turbulent devant nous. Donc c'est apparemment il a bloqué le train. Donc, je risque de me retrouver peut-être avec un feu rouge, une connerie comme ça. Il est joli le pont.
Ils ont fait des jolis ponts quand même. Après, graphiquement, il a pas l'air vilain celui-là. Alors, on va y arriver tranquillou, tranquillou, hein.
Allez, on peut renvoyer. On envoie le couscous. Il y a bien du monde là. Il y avait la disposition, il y a quelque chose là parce que. Eh, 2,2 km là. C'est un peu plus long, mais bon, ça va pas non plus traîner tout trop. Ça lag.
Là, on déverrouille les portes. Il y avait une réunion au Tupperware dans le train. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Ah bah voilà. Alors qu'est-ce que je dois avoir comme médaille? Ouais, l'argent, je m'en doutais parce que j'étais à un moment en excès de vitesse et tout. Je m'en doutais. Donc, c'est pas grave, ça sera à refaire plus tard. Hein, Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on continuera quelques vidéos de temps en temps, comme ça, sur le jeu. Normalement, il y en aura d'autres qui arriveront. Hein, ça, c'est sûr et certain. Normalement, c'est sûr. Hein. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.